La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est mal doux, hein? Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Oh. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien, en fait. Et toi, Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre des paix du bonheur. Est-ce que tu as l'énergie, Gina? Oui, bien sûr. L'énergie apportée par Princesse Tati. Alors, ça fait exactement 4 semaines que nous sommes avec Princesse Tati. Sûr, sûr. 4 semaines? Oui. Ça fait 4 semaines que nous sommes avec Princesse Tati et comme vous le savez, chaque jour on vous en dit un petit peu plus sur le sucre, sur sa fabrication et surtout sur les offres. Donc je rappelle à tout le monde que la spéciale promo Princesse Tati est toujours disponible. Donc elle courait du 20 juillet au 20 septembre 2020. Donc vous avez encore le temps d'aller vous fournir en sucre. Princesse Tati, et parlons du sucre, vous savez que ça fait 4 semaines que l'on parle majoritairement du sucre roux, donc vous avez des petits prix sur le sucre roux, et on essayait de rendre aussi cette rubrique un petit peu instructive du coup, et on vous parlait donc des différentes étapes de fabrication du sucre. Donc vous vous souvenez, on avait parlé de la coupe, on avait parlé du transport, on avait parlé du passage au moulin, tu sais, quand on a fini d'apporter ça dans l'usine, on passe au moulin pour presser tout le jus de canne et ensuite à la cuisson et ensuite à l'épuration, voilà. Et donc on va arriver à la cuisson, l'évaporation et la cristallisation. Donc à ce stade-là, le jus en fait qu'on a obtenu après avoir pressé la canne contient environ 15% de sucre et 85% d'eau, dont une grande partie sera éliminée par évaporation. Donc le jus en question est porté à ébullition dans les tuyaux qui sont en contact avec de la vapeur, et donc le jus traverse une série de chaudières, et dans ces chaudières là les évaporateurs, la température et la pression diminuent progressivement de l'une à l'autre, et donc au terme du circuit le jus de canne que l'on avait à l'entrée sort en sirop de canne, tu vois. Et dans ce sirop, tu as donc entre 65 et 70% de saccharose. Et quand on arrive à l'étape de la cristallisation, c'est que le sirop en fait va achever sa concentration donc dans les chaudières à cuire, travaillant sous vide donc pour éviter la caramélisation, et on va introduire des fins cristaux qui vont ensemencer le sirop. Donc tu vois, les fins cristaux là vont contaminer en fait le sirop. De la chimie là. Tu es en train de me faire un cours de chimie. C'est ça. Les fins cristaux qu'on va insérer va contaminer tout le sirop, enfin on dit ensemencer le sirop, et donc la cristallisation va se généraliser, et c'est ça que tu obtiens, tu vois. Tu obtiens ça. On obtient donc une masse cuite. Non, pour l'instant, elle est encore en petits cristaux en suspension dans le sirop et tout. Et donc après, il y a une autre étape avant que l'on arrive à ça. Et l'autre étape, ben, on parlera de ça la semaine prochaine. D'accord. Pour l'instant, on ne va pas non plus tout vous donner. Donc aujourd'hui, on parlait de l'évaporation et de la cristallisation, donc du sirop de canne. On passait du sirop de canne au jus de canne et ensuite aux petits cristaux une fois que l'on commençait avec la cristallisation. Et c'est ce qui nous fait arriver à la question du jour. Comme vous le savez, bien sûr, Princesse Tati vous permet de gagner de nombreux lots chaque jour. Et hier, la question était de savoir quel était le slogan de Princesse Tati, et la réponse est d'Afraîche. Le grand sucre des petits bonheurs. Voilà. Et donc, vous étiez 4 à donner la bonne réponse. Il s'agit de Gaël, 237. Il s'agit de Loïc, du B2. Il s'agit de Stéphane et de Kevin. Donc, félicitations. Vous êtes les 4 heureux gagnants de 2 sachets de sucre chacun offerts par Princesse Tati. Et écoutez bien, pour ceux qui voudraient gagner aujourd'hui, la question du jour est la suivante. Partagez-nous le numéro du service consommateur de Princesse Tati présent sur les contenants.
Partagez-nous le numéro du service consommateur de Princesse Tati présent sur les contenants. Est-ce que donc, c'est le si même numéro avez... sur tous les contenants? Oh oui. Donc, si vous avez déjà votre sucre Princesse Tati, vous n'avez qu'à regarder sur le contenant. Vous avez le numéro de consommateur Princesse Tati. Donc, partagez avec nous ce numéro de consommateur et vous serez certainement le regagnant du jeu Princesse Tati de ce jour. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc sur le jeu Princesse Tati. Le numéro pour participer, c'est le 065 05 10 45. Et puis vous pouvez bien sûr jouer aussi en envoyant des inbox sur Facebook ou des direct messages sur Instagram. Merci, restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Star Fresh Morning.